Ce qui est important pour que vous soyez capable de connaître, et avant que notre journée, et nous souhaitons bien finir dans la sixième partie, ça. Donc, bien fini. Je pense qu'au fond, gros combat, au fond, gros combat, il y a un combat et puis un combat, et pour nous, on va traverser. Donc, ça arrive pour qui nous, c'est plus mon carreau qui nous, on va avancer. Donc, déjà, nous souhaitons bien finir dans la partie, ça. Et nous battons gros bravo pour vous si vous êtes capable d'arriver là, parce qu'au fond, gros parcours, sorti depuis la présentation jusqu'à ce que vous arriviez là. Et je pense que vous parcourez une trentaine de vidéos. Donc là, aucune capacité pour que vous-même vous capable d'arriver là. Ça, c'est à féliciter et je ne suis pas découragé, mon cher. Connaissez-vous son héros, pas de son besoin, pas qu'à faire, pas de son besoin, ou pas qu'à réaliser ce que vous-même vous capable d'arriver là. Mais dans la vidéo, ça que nous voulons parler, et y en a barré que je suppose qu'on est, c'est ça que les algorithmes Facebook là. Parce que pas oublier que Facebook, c'est une application, c'est un coding que lié, donc il y a un algorithme. Et algorithme, ça, il y a un genre que le marché, ça veut dire que vous l'avez capable de monter, vous l'avez capable de descendre. Et pour algorithme lui-même, il est capable de reconnaître l'activité des gens que lui a. Donc, il y a certaines choses que vous-même vous supposez faire qui peuvent permettre que l'algorithme lui-même est capable de travailler en faveur de vous-même. Donc, comment est-ce que vous êtes capable de comprendre l'algorithme Facebook? Première chose que vous supposez connaître dans l'algorithme Facebook, c'est l'offre ads, surtout, c'est qui quantité de temps client prend pour qu'il soit capable de garder ads. Okay? Qui quantité de temps client prend pour garder ads. Donc, est-ce que l'offre ads, client en est passé, il garder ads, il pas prendre 5 secondes, il pas prendre 10 secondes pour que lui-même soit capable de garder publicité ça. Donc, qui quantité de temps client prend. Deuxième bagage, c'est interaction client fait ensemble avec adjoint. Okay? Interaction client ensemble avec adjoint. Est-ce que le client lui-même, l'élève publicité à lui-même, mais continuer et scroll down ou bien scroll up et bah ça yo, est-ce qu'il continue à faire ça ou bien l'élève adjoint, est-ce qu'il campait, est-ce qu'il cliquait, est-ce qu'il regardait? Donc, tout ça, c'est interaction que le client lui-même gagne ensemble avec publicité. Donc, les clients web publicité là, c'est troisième bagage là. Est-ce qu'il campait score qu'il t'a fait pour qu'il lui-même soit capable de garder publicité là? Donc, tout ça, Facebook contrôle toutes ces actions ça pour que lui-même soit capable de venir pour le boyon en note en retour. C'est un coup, c'est l'école Facebook méthode. Et puis, au final, il prend le boyon note pour dire, OK, mais évaluation qu'il fait, mais qui résultat, mais qui est-ce qu'on passe l'examen ou pas? Donc, les gens qui ont campé, ils suspendent passer par Facebook pour qu'ils soient capables de garder la publicité. Donc, qu'on y a là, c'est qui ça que vous mettez, qui top mail que vous utilisez, qui créatif que vous utilisez, qui ad copy que vous utilisez. Donc, je pense que nous faisons une vidéo dans ce où on est, nous parlons de ad copy, nous parlons de ad créatif et nous-mêmes parlons de top mail, comment que ça lui-même fonctionne. Donc, qu'on y a là, ça que Facebook a vu encore qui parle de l'algorithme pour vous, c'est qui review que vous avez en vous-même vous quittez de ads. Là. Donc, l'homme dit qui review vous quittez, ça veut dire que c'est interaction, c'est temps pour regarder des vidéos, c'est et gens qui ont suspendu le marché pour regarder des vidéos, top nélo, et vidéo là, est-ce qu'elle pas trop lourd? C'est tout ça qui parle réagir pour vous, qui parle de review de ads. Là. Et qui peut demander pour qui ça, moun yo même yo camper pour regarder. Et ça qui est important tout dans partie ça, c'est est-ce que moun pa report adjoint. Là, me dit report là, par exemple, bien moun qui qu'on a regardé en publicité, et puis publicité a tellement pas intéressant, lui mande Facebook pour qui ça m'a pour publicité ça, ou bien mande Google pour qui ça m'a pour publicité ça. Donc, est-ce que moun yo même yo pas fait genre de réaction ça, ou pour y demander pour qui ça a pour publicité ça, parce que ça pas intéressé yo. Donc, qu'on y a ou même, c'est comment que vous gérez bagay ça. Et l'autre bagage encore qui est important, cinquième bagage, c'est est-ce que page produit a capté client? OK? Qui quantité de temps client passé sur page produit? Si client l'a monté sur page produit, c'est 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, qui s'appelle le bouton comme retour sur ads que vous faites? Hein? Parce que Facebook lui-même, il contrôle tout bagage ça. OK? Les clients cliquent là sur page produit, qui quantité de temps client prend pour qu'il soit capable d'interagir ensemble avec page produit? Est-ce que page produit lui-même li kapte moun sa. Est-ce que page produit là lui-même li ba moun sa on garanti pour que moun nan lui-même li wè que ça va profil la c'est un bagay de valeur pour que lui-même li capable OK ça intéresse m ban garder qui ça qui gagne de plus. Donc qui ça que ou offri moun sa
Exactement. Et sixième bagay, c'est est-ce que compte ou pas dans zone rouge Facebook? L'aime dit dans zone rouge Facebook, qui ça me l'a dit? Le plus souvent, compte nous, yo toujours à bloquer. Yo. Ok, yo toujours à bloquer. Yo. Donc, est-ce que compte ou ce n'est pas un compte de temps en temps vu et tout n'est à bloquer? Est-ce que ce n'est pas un compte qui toujours à prendre restriction? Est-ce que ce n'est pas un compte qui est toujours à reporter, à dire, etc. Ça va le permettre que Facebook lui-même les mette dans zone rouge. OK, ça va permettre que Facebook mette en zone rouge, li mette en intervalle côté du mon cher, ça c'est une zone, ça c'est un compte à surveiller, mon cher non pas qu'à laguer ça n'importe façon. Donc ça yo important pour que vous capable connaître. Et l'autre bagage aussi supposé qu'on a encore septième bagage, c'est comment préparer targeting. Donc nous parler de targeting, nous montrer comment que vous capable gérer targeting. Donc qu'on y a là ou même c'est comment préparer, est-ce qu'on bien préparer. Est-ce que intérêt, huitième barrière, est-ce que intérêt que vous allez utiliser à l'y pas saturer ou bien est-ce que niche que vous allez utiliser à l'y pas saturer? Donc, capable de trop compétition dans l'intérêt que vous allez utiliser, dans niche que vous y a, niche que vous allez vendre là-dedans, quand il y a trop compétition là-dedans. Donc, est-ce que ça vous même vous pas saturer? Si vous saturez, ça va permettre que l'algorithme Facebook là, lui-même n'est pas chercher trop de données pour vous, n'est pas chercher trop de détails pour vous, parce que ça vous même vous important. Et dernier bagage qui est important, c'est comment que vous gérez bidou, comment que vous gérez budget, comment vous gérez schedule. Donc, budget, c'est lui qui est important, c'est budget qui va jouer pour vous. Si niche ou en saturé, intérêt que vous la donne en saturé, ou pas mettre un budget 5 dollars, un budget 10 dollars, faut que vous gagnez un point gage, ou pas besoin de résultat, moun kap mette 20 dollars, 25 dollars, et même aller voir moun kap mette 100 dollars, 200 dollars. Donc, parce que niche ou là dedans et intérêt que aussi blé à gagner saturé. Donc, tout ça, c'est des points qui pourraient permettre que ou même ou capable de jouer ensemble avec algorithme Facebook là. C'est capturer client pour le passer plus de temps dans adjoint, permettre que client lui-même interagit ensemble avec adjoint, fait permettre que un client lui-même lui pas bail des mauvais reviews de adjoint, permettre pas faut journal lui-même lui bien capturer client, bien éditer pour que client lui-même lui capable de la donne et permettre que compte ou c'est pas un compte qui toujours à prendre instruction, permettre que c'est pas un compte que toujours à bloquer, toujours à report asdi etc. Et interest qu'on peut le prendre, make sure que interest ça c'est pas des interest qui saturé, surtout les n'a pas interest, pas prendre ça qui dans premier niveau, toujours battre pour nous prendre ça qui en bas yo, parce que yo même yo pas trop compétition dans yo. OK, yo pas gagne trop compétition dans yo, éviter que nous même nous capable prendre. Et on pense que si nous agir comme ça guys, si nous comprenons bagaille ça, ça va permettre que l'algorithme Facebook là lui-même lui monter ensemble avec nous, peut-être bien des moments qu'à descendre tout, mais permettre que la permettre que lui pas na monter descendre, mais qu'à être stable ensemble avec nous tout et permettre que nous gagnons plus bon retour sur investissement nous, OK? Qui c'est ROI, Return on Investment, OK? Donc, ça va permettre que nous gagnons plus de retour sur investissement nous, qui puis bien marché. Donc, appliquez ça, guys, refocus, recouvrez nous, et pensez que si nous appliquons ça, la stratégie algorithme Facebook, là, lui-même, a bien marché pour nous, et m'espérez que nous avons croisé dans l'autre vidéo. Yes, guys.